Salut tout le monde, c'est MegaTiyu et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du slime fluffy. Pour en faire, vous avez besoin de colle. J'ai utilisé de la colle blanche, ça se trouve dans les magasins, comme Bricorama. Ensuite, vous avez besoin de la mousse à raser, ça se trouve dans tous les magasins. Il faut que ce soit réellement de la mousse, hein, parce que vrai, sinon ça fonctionne pas. Ensuite, il faut de la lotion pour lentilles, ça se trouve dans les pharmacies. Voilà. Ensuite, il vous faut du colorant. Moi, j'ai pris comme ça, hein, mais ça peut être des colorants lesquels. Si vous voulez qu'il y ait de la couleur. Et c'est mieux d'utiliser du colorant alimentaire parce que sinon, si vous prenez du colorant pour les peintures, et bien après, ça colore les mains quand on joue avec le slime. Donc, c'est mieux du colorant alimentaire. Donc, nous allons mettre la colle. Et il faut qu'il... Enfin, vous mettez tout ce que vous voulez. Et d'un bol. Donc, il faut de la colle blanche. Voilà. Après avoir mis la colle, il faut mettre la mousse à raser. Ah. Et j'ai oublié de vous dire, il vous faut aussi une cuillère pour mélanger. Ensuite, il faut mettre la mousse à raser. Il faut en mettre pas la même quantité que la colle ou un peu plus. Voilà. Et ensuite, il faut mélanger. Et en fait, c'est mieux de, j'ai oublié de dire, mais c'est mieux de mettre du borax comme vous voulez, de la lotion pour lentilles, parce que il y a moins de produits chimiques. J'ai oublié de vous le dire. Là. Ensuite, quand vous avez bien mélangé, il faut mettre le colorant. Donc, moi je veux faire du colorant. Donc, avec le colorant liquide, c'est avec un pinceau qu'il faut mettre. Et c'est marqué derrière. Voilà. Ensuite,
il faut mettre le coin donc. Et voilà. Ensuite, quand vous avez mis le colorant, il faut mélanger jusqu'à que votre slime soit entièrement de couleur. Et moi ça a pas trop l'air de fonctionner. Je crois que je vais remettre un peu de colorant. Donc, quand votre slime obtient la couleur que vous voulez, ça nous a fait du violet enfin. Et donc après, quand votre slime obtient la couleur que vous voulez, vous n'avez plus qu'à mettre le borax. Voilà. Nous allons en mettre
Voilà, donc le slime va commencer à durcir, comme vous pouvez le voir. Enfin, à être, à ne plus être liquide en fait. Donc vous voyez, ça commence à devenir plus une pâte. Là. Donc nous allons rajouter un peu pour que ça ne colle pas nos doigts. Enfin, mon doigt. Et voilà, du slime collant. Donc en fait, il faut rajouter du borax jusqu'à ce que ça ne colle plus. Parce que là, c'est vraiment délirant. C'est super, hein, il me colle entièrement. Bon. Donc, après, quand vous en avez mis assez, vous avez fait votre slime fluffy. Donc voilà. À une prochaine vidéo.